Salut à tous et bienvenue pour le 15e épisode de la deuxième saison de The Darkest Dungeon. Alors dans le dernier épisode, j'avais enfin pu montrer les tout nouveaux DLC qui avaient été ajoutés, ça veut dire de nouveaux persos, de nouvelles maps, comme par exemple le cercle de la Bouchère où on peut se battre dans une arène. C'est sympa. On a fait quoi comme mission? On a fait pour la première fois la cour. Just as I Et dans cette feared, cour, on récupère. now loosed from their brackish C'est prison, quoi ça? they will spread like Esquive. locusts across our land. C'est quoi ça? Éliminer le un baron, d'accord. Sauf qu'il faut niveau 3. J'ai des gars de niveau 3, mais par contre, j'ai pas forcément. Je sais pas s'ils ont. Si leurs compétences ont été développées à la guilde et si leurs armures ont été développées. Fouet du baron, d'accord. Par contre, 15 000 pièces. Ça, ce qui me manque, c'est de l'argent. Il faut éliminer une sirène. Soin reçu. Je crois qu'il me rappelle que la dernière fois que j'ai affronté une sirène, m'en suis pris plein la gueule et j'ai que 5 265 pièces. Une sorcière flétrie. Ah non, c'est la sorcière flétrie qui m'avait cassé les bonbons. Chair inachevée. Soif de la malédiction retardée. Récolter le sang. Allez, on va envoyer Kaiser. On va mettre Never End Gaming. On va mettre Petrimol. Allez, on va économiser un peu. Ah non, mais je crois que le sang, j'ai pas besoin de torche. Je vais quand même prendre ça de nourriture. Allez, on va prendre un peu plus de bandages. Et puis voilà, on va essayer de faire ça. C'est parti. Je n'ai pas besoin de torches, c'est ça qui est bien, ça me permet de faire des économies là-dessus. Ah, là par contre, je vois toute la map. Ah oui, si, il m'aurait fallu des torches pour brûler ça. On va affaiblir celles qui sont déjà infectées pour qu'elles perdent rapidement de la vie. Voilà. Voilà, elle est morte. Ces larves là. À un point de dégâts, c'est rien. Regarde, ah ouais, lui il a que 23 points de vie. Ouais. T'as un petit critique dans la gueule. Ça fait réduire le stress de tout le monde. Activer 3 réserves de vinificateurs. Ah, attendez, il y a un piège qui est apparu là. Faire très attention à ça. On ne voit pas en fait le piège. Il est bien caché lui. Et ce qui est bien, c'est que ça lui baisse son stress un peu. Trésor. Waiting to be spent. Ah!
mitraille. On va essayer d'attraper les moustiques et les rapprocher. Ou purée. Confidence. Allez voilà, en moins. En faisant ça, on tue directement l'insecte derrière. On soigne un peu tout le monde. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Coup de grâce. Manqué. Esquive. Parfait. Parfait. Their formation is broken. Maintain the offensive. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Ah ouais, là c'est sanglant là. Heureusement que j'ai une pelle avec moi. Par contre, j'en avais qu'une. T'as les mecs, ils ont déjà faim. Oh putain. Là je sens mal. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. J'ai pas compris. On a fait la brume changeante, je suis avancé par là. Allez, on leur fait perdre leur point de vie. Critique, balle. Great is the weapon that cuts on its own. Allez, bam. As victories mount, so too will resistance. Packs laden with loot are often low on supplies. Oh d'accord. Il y a un nouveau un mendiant qui peut m'en mettre plein la gueule là. Allez, bam, essayez d'infecter ceux derrière. Ils ont une trop grosse résistance aux infections.
Mais Eve, elle commence à augmenter un peu sa vie pour éviter d'avoir des problèmes après. Allez, bam. Mince. Débarrasser de la du premier cadavre pour pouvoir ensuite attaquer. Mais c'est pas vrai. Par contre, j'ai rien pour calmer les infections. À part soigner tout le monde comme ça. Aïe. Voilà, on se débarrasse de lui. Bam. Ah super, alors tiens. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. L'être murmure une incantation. Je sais pas ce que c'est cette incantation qui... Opérage. Mais en plus je baisse son stress en désarmant ça. Bon allez, regarde, vous imaginez des jeux sanglants. Wow. Ah mince, j'ai pas vu que sa détermination était... Ouh, loyauté, Never End Gaming. Alors, je rappelle que Never End Gaming, c'est un confrère youtubeur. Son nom, c'est exactement comme il est écrit ici. Je vous encourage à aller sur sa chaîne. Si vous aimez beaucoup tout ce qui est Cossack, et Shogun, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Il a fait une série sur Shogun depuis, je crois, d'une centaine d'épisodes. Excellente, où il joue les datés, et c'est vraiment excellent comme série. Et c'est un excellent joueur Cossack, donc vraiment, allez vous abonner à sa chaîne. Mais non, maintenant, ils ont bouffé deux fois de suite, tout à l'heure, au bout de deux cases, c'est normal. L'être murmure une incantation. D'accord. A handsome reward. J'ai collecté le sang, on va pouvoir retourner au hameau. Je prends aucun risque. Exclusion. Plus 20 de PV si c'est... Plus 20 de stress si le PV est inférieur à 50%, d'accord. Je peux pas soigner tout le monde parce que ça me coûterait trop d'argent. Wash in blood and delusion. He bears the burden of a thousand lifetimes. Et maintenant j'ai dit que je voulais, c'est ça que je voulais faire après, c'est ça, c'est la conquête de la ferme, éliminer un meunier, c'est niveau 3, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon perso Total Dead, je vais prendre Mallory mon médecin, je vais mettre lui la Vetsi qui peut provoquer des saignements. Et Kaiser, voilà. On a ce petit groupe.
C'est risqué par contre. Il y a ça où je pourrais récolter. Éliminer un baron. En fait, j'hésite parce qu'il me faut de l'argent. Mais en fait, je voulais faire la ferme, mais j'ai limite envie de faire ça, là. Le baron vous invite à rejoindre ces jeux tordus. En fait, je voulais absolument faire la ferme, mais depuis tout à l'heure, je pense à ça, là. Vétéran niveau 3, ça, c'est bon. Ah bah, c'est bon, je la fais. S'aventurer dans la cour utilisera une invitation. Pas de soucis. On prend au cas où des torches. Une petite clé. Et c'est parti! They would arrive in teeming hordes, adorned in powdered wigs and pretension, seeking to slake their thirst on wine and indecency. Mel's intoxication invariably took hold. Innocuous frivolities would escalate to ever more disturbing diversions. Orchestrating the hideous affair was a hunchbacked fiend who seemed to delight in proportion to the suffering he caused. I could have stopped him, I suppose. But I was a slave to my own appetites, and restraint would have rendered me a hypocrite. Allez. Quête épique, cette quête est épique. Personne ne s'attend à ce que vous terminiez les quêtes épiques du premier coup. Vous pouvez vous regrouper, abandonner la quête à tout moment et votre progression sera enregistrée. Lorsque vous obtiendrez une nouvelle invitation, vous pourrez continuer la quête là où vous l'aviez laissée. C'est pas mal ça. Ah purée. Allez. Ah merde, j'ai pas fait attention, il a quand même un host, il a un stress assez haut. Et je vous le dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec mon personnage, la Total Deed. Et par contre, je suis con, j'ai pas mis des objets à tout le monde. Ah mais d'accord, ceux qui jouent. Esquive. Je suis bête, j'aurais pu leur mettre des objets, je suis complètement stupide. Bien, Kaiser. Je suis niveau 3, mais mes coups sont pas très puissants en fait. Il aurait fallu que, au niveau de la guilde ou même de la. Oui, soit la guilde, soit. Comme on dit ça, guilde, ou la forge, je développe les armes, les armures et surtout ma puissance d'attaque. Allez! Ah mince, esquive. Allez. Their formation is broken. Maintain the offensive. Bam. Death by inches. Piège, je l'ai pas vu le piège. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ah mince. Bam. Merde, il arrête pas d'esquiver là, c'est chiant. Rochement sous terre. Ah oui, ça pique ça. J'ai envie de me faire le moustique avant. Allez voilà, il va me le. Merde. Attention. Ah ça va, il a pas stressé trop. Il a pas trop stressé, c'est bien. Ah, il y en a un qui a esquivé, mais on part à. J'augmente son saignement.
Avec critique, bam. Récolte de sang. Embrochement souterrain, merde. Allez, bam. Allez, augmente encore plus les saignements. Allez, bam, je te redonne 7 points de vie. Merde, récolte de sang, il prend cher, mais il prend... Ah, mince, malédiction maléfique pour... Oh, mais c'est pas vrai, mais ils esquivent toujours cette attaque, merde. Oh, purée. Ah, pour une fois qu'il esquive, lui. Tiens, et voilà. Bam. Vous faites ça tous les deux. J'ai envie d'aller tout droit, je sais pas pourquoi. Oh purée, merde! Découpage, envie, il faut vraiment que je le vise lui d'abord. Putain, j'aurais pas mis d'objet, je suis con. Embrochement souterrain, aïe. Allez, bam, critique. Oh, en plus, je baisse son stress un peu. Bon, légèrement, mais je baisse quand même. Et là, et bam. J'en affaiblis un et je tue l'autre. Bam. Mastication. Ah, là il m'enlève beaucoup de... Ah, il m'enlève beaucoup de vie là. Ah mais voilà pourquoi il faut prendre la brume. Parce qu'en avis, la brume... Parce qu'en avis, la brume fait que l'on se perd et que l'on... C'est pour ça que tout à l'heure, ça m'a décalé et que je suis allé à un autre endroit. J'ai encore envie d'aller tout droit. Merde. Monsieur, oh. Ben, on va encore les saigner un peu. Vous voyez, il faudrait que lui, par exemple, s'il arrive à survivre, je débloque sa compétence saignement. Parce qu'il pourrait faire encore plus de dégâts comme ça. La soif.
Malédiction pourpre. Mais ils sont pleins à avoir une malédiction pourpre maintenant. Allez, bam. J'ai envie d'affaiblir lui d'abord. Ah, attention. Violence. Ouais, non, je pense que je vais devoir abandonner un peu. Frustration and fury. More destructive than a hundred cannons. Je suis con, parce que lui, en fait, lui, il a des compétences pour baisser le stress. Mais comme en face, ils frappent très fort et qu'ils ont beaucoup de vie, je peux pas l'utiliser. Ah mais d'accord, maintenant il va utiliser les... Il va attaquer ses alliés. The slow death, unforeseen, unforgiving. Esquive. Bombardement, esquive. Vous voyez, ça baisse son stress. Merde, il esquive encore. Allez, ça par contre, tu pourras pas esquiver. Bam. Mais c'est pas vrai! Allez, bam! This expedition at least promises success. Je vais lui mettre un petit bonus, je vais lui faire prendre ça un peu. Ok, ça marche. Il me manque une clé. D'accord. C'est un peu bizarre là. Ça veut dire qu'il me faudra un objet pour... Il me faudra un objet quelconque pour faire ouvrir. Merde, ok, lui il est marqué, d'accord. Est-ce qu'il... Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Oh mais c'est pas vrai, mais il s'est fait avoir combien de fois lui? Bam. Merde. Bam, et voilà, j'attaque les deux en même temps. Est-ce
qu'il faudrait pas un truc de sang pour ouvrir. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Porte verrouillée. En fait, ça va être long là. Ça va être très long. Aïe, merde. Et bam, bam, bam. Compassion is a rarity in the field of battle. Allez, esquive. Faut me débarrasser de ces cadavres là. Merde. Oh mais c'est pas vrai. Bam. Ouf! Allez, 1500 pièces. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. And now merde. The true test. Hold fast or expire. C'est stressant tout ça. Lui va atteindre son niveau de stress ultime, lui. On va juste voir ce qu'il y a là-bas. C'est quoi ce succès là? Faire 500 pas avec un héros.
te fais ce qu'il y a là, non. Tu sais quoi, on va abandonner. A wise general cuts losses and regroups. Attention. Loyauté, parfait, tiens. On va aller par là. Et quoi qu'il s'il se passe quelque chose, on abandonnera la quête. Toi, il y a un truc qui est verrouillé. Je suis sûr qu'il faut aller par là, en fait. J'ai forcément rencontré des adversaires. Regardez comme elle est, comme il est long le couloir. Je touche pas à ça. Oh purée, mais le nombre d'esquives de l'adversaire dans cet épisode est assez hallucinant. Oh putain, le mec s'est pris tout le stress du monde là. Allez, en moins. Allez, enfin j'esquive. Faire ça pour baisser son stress. Oh purée. Et perdre Kaiser. Ah mais lui il a esquivé combien de fois lui. Ah ouais, d'accord, en plus je me prends bien le critique dans la gueule, tu vois. Ah bien, d'accord. Alors je me tape les malus, la soif de sang, je me tape tous les malus possibles, c'est hallucinant. Mais... Là on est, enfin d'accord, là on est, c'est l'exemple typique jeu qui a décidé de t'enculer. Le jeu a décidé que non. C'est le jeu qui a décidé que non. Il faut que tu t'en prennes plein la gueule. Mais non, mais pas. Ouais, d'accord, c'est. Non mais il rejoue, putain. Ok, je me suis pris 3 critiques dans la gueule en... Ouais. Courage, super. Allez, au moins là, le jeu est sympa avec moi. Bon, je peux jouer, moi, ou...
injury and despondence set the stage for heroism. Je vais abandonner, ça sert à rien. C'est, le jeu est trop contre moi. Wounds to be tended, lessons to be learned. Ah putain, mais en plus ils ont... Ah oh, purée, ils se tapent, purée, mais... Et en plus j'aurais pas assez d'argent pour tout faire. Bon, on va arrêter l'épisode là. C'était assez compliqué. Comment soigner ça en fait? C'est... On va arrêter là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué de me soigner. Faudra que je fasse quelque chose. Ah, enfin mon personnage là. There is power in the blood for those with the fortitude to pay the price. Recruter flagellant. Juste vérifier quelque chose. Ouais, en gros, ça veut dire que il avait expliqué un truc par rapport à ça. Il me semble que c'était que, il faudrait que je regarde à nouveau sur la vidéo quand j'aurai fini d'enregistrer, que je peux abandonner à tout moment et que je reprendrai là où je m'étais arrêté. Ce qui était plutôt pas mal. Bon, on va arrêter l'épisode là, mais par contre, il faudra que je fasse, regardez, faudrait que je fasse des petites missions là pour récupérer de la... ah non, ça c'est terrible, de l'argent parce que j'ai plus que 5745 pièces. J'ai pas beaucoup d'argent, donc faudra que je fasse des trucs pour en gagner. Parce que s'il n'y a pas d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent au final pour payer les soins, pour acheter la nourriture, et surtout avec ça pour développer les compétences de mes hommes, tu vois, et de mes personnages, leur permettre de faire des dégâts plus importants, de se soigner plus facilement. Ouais. Faudra que j'arrive à arranger ça. Bon. Ça, c'est des moments compliqués sur Darkest Dungeon, après il y aura des moments où ça ira mieux. Et sinon, ben, je ferai un truc qui est très simple, je vendrai des objets. En tout cas, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir et ça motive pour la suite de l'aventure, à partager un maximum la vidéo avec vos amis, et je vous dis à bientôt pour la suite de Darkest Dungeon. Au revoir.